Et sensible et complexe, je vais inviter David Abassi, que vous connaissez déjà puisque c'est un ami de longue date avec vous et l'association Azadi. David Abassi, écrivain, historien, qui est également présent dans nos studios et qui va continuer l'échange et le dialogue avec vous. Bonjour David, comment allez-vous? Très bien, Morgane, merci. Merci, Morgane. Bravo pour tes émissions, surtout Monsieur Azizi. Et comme tu viens de me dire, demain, jeudi aussi, tu as un autre invité afghan, Monsieur Mehrabodine Mastan, à 14h. Alors, notez bien, mes amis, notre rendez-vous de demain aussi avec Mehrabodine Mastan, ancien ambassadeur de l'Afghanistan, ami du commandant Massoud. J'étais à Paris pendant des années, vous le connaissez très très bien. Toujours, il était présent sur les plateaux de télévision français, Mehrabodine Mastan, et il était notre invité également plusieurs fois à la radio. Voilà, en même temps qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Azizi, mon ami de longue date. Alors, à l'époque, on était amis avec le commandant Massoud et Mehrabodine Mastan et ramené le combat contre Al-Qaïda, les talibans et tout ça. Et Massoud était au Panjshir. Je crois que vous, Monsieur Azizi, vous aviez 5-4 ans, ou peut-être vous n'étiez pas encore né, non? Bonjour, Monsieur Azizi. Oui, bonjour, monsieur Abassi. Merci, oui, vous êtes un vrai ami fidèle de l'Afghanistan, fidèle de commandant Massoud. On a entendu beaucoup de vous. Merci. Vous aviez quel âge à l'époque de Massoud? Actuellement, vous avez quel âge? Dites ça, ça. Comme vous savez, en Afghanistan, on note pas bien l'âge, mais C'est les moi, 20. j'ai 30 ans. 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans, ouais. Voilà, vous voyez, vous avez À 30 ans. l'époque de Massoud, j'avais 7-8 ans. Ouais, même avant Massoud, que moi je le connaissais, parce que vous savez, moi je connais l'Afghanistan, comme vous le savez, qu'il soit Massoud comme mon commandant, ou qu'il soit Rabbani Burhaneddin, qui était assassiné, ou Golbuddin Hekmatyar, qui est talib actuellement. Tous ces Exact. gens-là, je le connais depuis 40, 45, 50 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque même, vous n'étiez pas encore né. Mais parmi toutes les personnalités afghanes qu'on a connues, Massoud, c'était vraiment le commandant pour la liberté, le visage mondial pour la liberté, comme Che Guevara pour l'Asie et de l'autre côté. Mais c'est vrai que beaucoup de vous, même à l'époque des années de gloire, de combat, de Massoud, vous n'étiez pas encore né. Merci d'être avec nous, Monsieur Azizi. Merci à vous, Monsieur Abassi. Alors, demain aussi, comme vous venez d'entendre, on va recevoir Monsieur Mehrabodine Mastan. Il va être notre invité à partir de 14h. Mes amis, notez et informez les amis, surtout que je sais que vous avez beaucoup de questions. Vous pouvez poser même aujourd'hui à Monsieur Azizi et même demain à Monsieur Mehrabodine Mastan. Alors, Monsieur Azizi, actuellement, puisque nous sommes en train de nous approcher au mois de septembre, le jour de mémoire de commandant Massoud qui était assassiné par les islamistes. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez préparé pour le septembre? Merci, Monsieur Abbotti. On a organisé deux événements commémoratifs à l'honneur de commandant Massoud. On a intitulé Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans. Le 9 septembre à 19h, on a une soirée, on a intitulé soirée de résistance dans laquelle on va expliquer 2 ans la situation d'Afghanistan et aussi soirée de poésie parce que la poésie est toujours attachée à notre pays, à notre langue persan. La poésie, c'est quelque chose que Massoud admirait beaucoup. Il avait toujours un livre de Hafez Shirazi, un livre de Rumi avec lui. Pour cette occasion, on a dédié cette soirée pour tous les combattants actuels qui sont sur les montagnes de Hindu Kush, qui combattent contre le régime terroriste des talibans. Le 10 septembre, le lendemain, dimanche, on a une grande manifestation. Vous étiez toujours présent dans les anciennes manifestations, un grand rassemblement à l'allée du commandant Massoud à Champs-Élysées. Là-bas, il y a des journalistes,
des hommes politiques vont intervenir au sujet de menaces des talibans pour les pays, même à l'extérieur d'Afghanistan, les pays régionales et aussi en occidentaux, on peut dire, parce que, comme vous avez entendu, vous étiez avec le commandant à l'époque en 2001, que, donc il a alerté l'Occident, donc... Si vous n'êtes pas l'Afghanistan, les pauvres d'Afghanistan, de combattre contre le terrorisme, un jour, le terrorisme va vous toucher. Donc, moi, je pense actuellement, ce que je vois aux pays occidentaux, les lobbyistes, les talibans sont actifs dans les pays occidentaux. Eux-mêmes, ils bénéficient des bénéfices de la liberté et de la démocratie, mais ils se lèvent la voix en faveur des animaux, leurs tribus, les talibans, à l'Europe, en France, en Allemagne ou d'autres pays comme ça. Mais malheureusement, il n'y a aucune réaction contre les lobbyistes terroristes qui sont présents en Europe. Donc pour ça, on a intitulé cet événement « Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans ». Bravo, bravo. Oui, bravo, Monsieur Azizi. Puisque vous venez, Monsieur Azizi, d'évoquer l'invitation de commandant Massoud en 2001, que je l'avais invité par la gentillesse de mes amis français, vous avez touché encore mon cœur. Puisqu'à l'époque, quand on était en contact avec Massoud, Massoud il parlait de la laïcité en privé, personnel, discret avec nous dans ses messages. Écrit qui en correspondait à l'époque, M. Azizi, et il disait un jour, j'espère de pouvoir mettre de côté mon arme, mon pistolet, mon fusil, et je vais prendre la plume et la parole, doper plume et la parole, pour parler de la laïcité pour mon peuple, qui même pas ne connaît pas là de la laïcité. Il disait Khé de Khérat Geraï. Et il ne le connaît pas. Il disait tout mon souci, c'est de pouvoir parler avec mon peuple de deux choses que je viens de vous dire, parler de la laïcité avec parole et pensée. Alors aujourd'hui, M. Azizi, vous savez très très bien que depuis 14 siècles, votre pays, il est victime de l'intégrisme musulman. C'est l'intégrisme musulman qui a tué vos compatriotes et il est en train de les tuer. Alors, où sommes concernant la laïcité dans la résistance contre les talibans? Donc, on parle de laïcité, le mot laïcité n'est pas très reconnu en Afghanistan. Malheureusement, la définition que les fondamentalistes et les islamistes ils ont sorti là-bas, interprété là-bas, c'était vraiment mal vu au niveau public. Ça je le sais. Vous me dites tout ce qu'on sait. Je veux vous dire quelque chose en vous arrêtant, puisque je ne veux pas qu'on répète les histoires qui touchent notre cœur. Déjà, n'oubliez pas pour vous, pour votre peuple, pour les Afghans, pour Dari, laïcité, moi je parle avec vous français, je dis laïcité. Le mot en iranien, le mot en persan, le mot en dari, c'est Khérat Geraï, Aqlani, Aqlani. Et même dans l'islam, il y a des branches, beaucoup de branches, qui parlent de Aqlani fil Islam, Aqlani dar Islam, Khérat Geraï. Alors dites-moi, les mouvements afghans face aux talibans concernant même Khérat Geraï, Aqlani dans l'islam, où êtes-vous? Nous sommes où, mon cher ami? Parce qu'en même temps, il faut voir l'Iran à côté de vous, la laïcité en Iran. Moi, puisque je parle en français ici, les gens pour comprendre, je ne veux pas répéter Khérat Geraï, Khérat Geraï. Surtout, je veux vous dire une chose pour rigoler. Il y a déjà 40 ans, puisque le mot Khérat Geraï, la laïcité, à l'époque, quand on a lancé ici, même en France, on ne parlait pas de la laïcité à l'époque, il y a déjà 40 ans. On a lancé ça, et c'est autre chose. Mais quand j'ai mon livre, c'était Dindari et Khérat Geraï, quand je l'ai écrit, en Iran, à l'époque, il y a déjà 40 ans, ils ne savaient même pas lire les ayatollahs Khérat Geraï.
Ils l'ont dit « Khargerai ». On se moque compte de moi en disant que voilà, David, il a fait un bouquin « Religion » et « Khargerai ». Khar, ça veut dire là. Mais j'ai des souvenirs du commandant Massoud que pour chaque livre que je l'envoyais à l'époque, il m'envoyait un message. Et même Khrat Gerai, quand je l'avais envoyé, Dindoreva Khrat Gerai, lui-même, il m'a parlé de Aqlani, au Khrat, dans l'islam. Il m'a parlé de Hassan Basri, il a déjà 1350 ans, non? Et beaucoup d'autres exemples, comme quoi, commandant Massoud, il disait que notre islam est fondé sur la base du cerveau, de la laïcité, de la Khrat. Alors, c'est pour ça la question très importante que je vous pose, puisque je suis désolé de vous dire, actuellement, parce que ça j'ai dit à Ahmad Massoud, je vais vous dire à vous aussi, on ne cache rien, j'ai dit à Dr Farizadeh, Fahim Edachti, avant d'être assassiné, il m'a envoyé des messages, on a parlé ensemble, il m'a donné des messages pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, que je l'avais donné, etc., etc. Mais il y en a une chose qu'on doit savoir, le rationalisme, voilà, au lieu de laïc, vous pouvez utiliser le mot rationalisme, Khrat Gerai. Et si ce n'est pas dans le combat de la résistance, le monde de M. Azizi, il va avoir peur d'un autre islam. Puisque si vous dites que vous êtes pour un autre islam, qui est modéré, je ne sais pas quoi, vous arrivez après 40 ans au point que les Iraniens y sont arrivés, surtout les filles iraniennes, vous êtes au courant, vous savez très très bien que les femmes iraniennes actuellement, ils brûlent le voile, et officiellement, ils disent qu'ils ne vont pas faire les cérémonies musulmanes en Iran, et officiellement, les gens comme Rahnavard, comme Kian et Pirfalak Nour Saleh, on les a tués, puisqu'ils disaient « on ne veut pas de l'islam politique dans notre pays ». Et vous êtes au courant de tout ce sujet-là? Vous connaissez Majid Reza Rahnavard et vous connaissez Kian Pirfalak, M. Azizi? Oui, très très bien, Rahnavard, il est un grand... Alors quand un enfant de 9 ans, il n'a pas peur de te parler de la laïcité en Iran. Quand Majid Reza Rahnavard, qui est de même village, de même province que vous, de Khorasan, il va aller être exécuté, il dit que ne chantez pas le Coran pour moi sur mon tombeau, et tout ça. Pourquoi la résistance d'Afghanistan face aux talibans, et ils maintiennent un autre islam que personne ne va pas vous croire? C'est pour ça que vous êtes isolé actuellement. Je vous écoute. Exactement, l'essentiel c'est ça. Mais je vous explique avant tout qu'on va entrer encore dans le mot laïcité, mais je vous explique quand j'étais en Afghanistan, même mes amis, le mot laïcité, comme je vous ai dit, en Afghanistan, c'est mal interprété. Dans les circonstances d'Afghanistan, nous, on n'avait pas de droit, même qu'on était ouvert spirituellement, on était pour Ahmad Shah Massoud. Donc, on écoutait toujours la poésie, Ahmad Shah Massoud et sa carrière. Je sais, mais je sais. On n'avait pas de droit. Monsieur Azizi, tout ça, je le sais. Quand je suis sorti de l'Afghanistan, quand je trouvais un moment, physiquement, j'étais en sécurité, je viens de découvrir que ça veut dire quoi exactement la laïcité qu'on voudrait. Donc laïcité, quand on prononce le mot la résistance contre les talibans, déjà je pense que c'est laïcité. Quand on parle de démocratie, c'est laïcité. Quand on parle de droit des femmes d'aller à l'école, de travailler, de trouver ses indépendances, donc c'est laïcité exactement. Merci. Merci Monsieur Azizi. Mais vous savez, mon cher Monsieur Azizi, je vous dis une chose. Je vais être franc avec vous. Vous notez ça aussi, comme tout ce que j'ai dit il y a déjà 40 ans à commandant Massoud. Écoutez, vous voulez que le monde vous croie, vous voulez que le monde vous croie, votre résistance, ce n'est pas pour un autre islam. Alors si vous voulez que le monde vous croie, vous devez déjà commencer à vous exprimer ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a dans votre tête aux gens de village, de montagne, de Panjshir et de l'Afghanistan. Puisque comme commandant Massoud, il disait à l'époque, actuellement, les talibans, ils vous ramènent un combat de sectes religieuses musulmanes et de races pashtun, tajik, ouzbak, hazare, et de l'autre côté, la religion Hanbali, Shafi'i, Maliki, Ismaili, etc. Ce que David Abbasi est en train de vous dire, c'est ça vient de l'amour pour l'Afghanistan et pour le peuple afghan. Pour ça, je sais que c'est un peu dur et difficile pour vous et pour tous les autres, mais vous devez sortir de cette
angeaux du monde musulman arabe qui vous gardent comme les Palestiniens. Le Palestinien, pendant des années, c'est comme ça. Ils utilisent des Palestiniens dans leur but personnel. Vous ne devez pas tomber. Vous savez pourquoi je dis ça, Azizi, puisque vous avez 30 ans. C'est pour ça que je vous ai dit quel âge avez-vous? 30 ans. C'est pour ça que je vous dis à vous. Beaucoup de vos amis qui sont à côté de vous dans le mouvement de la liberté, ils ne croient pas aux sectes religieux que vous maintenez. Hanbali, Shafi, Exactement. Maliki, Ismaili, tout ça. Et on est en train de vous utiliser comme ça. Vous savez mieux que moi. La semaine dernière, on a massacré plusieurs Afghans dans certains villages et les autres, on les a dit, si vous voulez rester vivant, vous changez de secte. C'est-à-dire, vous devenez Hanafi, musulman Hanafi, on ne vous tue pas. Vous devenez musulman Djokojo. Tout ça, pour ne pas tomber là-dedans, la résistance doit être la résistance du général de Gaulle en France. Pas de religion, c'est patriote, c'est pour la patrie. C'est comme ça que vous pouvez ramasser dans votre camp, qu'ils soient Pachtoun, Tadjik, Ouzbak, Hazara, etc., qui peut être Hanbali, Shafi'i, Maliki, Chi'i, Ismaili et tout ça. Si vous restez sectarisme dans les sectes que les autres ils vous imposent, je sais que c'est pas vous, les autres ils vous imposent, mon cher monsieur Azizi, après encore 40 ans, vous êtes professeur avec des barbes qui blanchissent, avec vos enfants, et comme les autres amis qui sont exilés à droite à gauche, vos enfants, c'est compliqué, c'est difficile. Pour ça, le mouvement laïque, laïcité, en français même rationalisme, Khairat Gelaï, non religieux de la résistance. Ahmad Massoud, moi je dis à lui-même, je ne suis pas prêt de dire à vous, hein, je dis à lui-même, je dis à tout le monde, il doit annoncer comme quoi, comme Tadjikistan, comme Ali Rahman qui vous donne beaucoup de possibilités dans ce combat-là, le contraire de l'Iran qui vous impose certaines règles religieuses, mais Imam Ali Rahman en Tadjikistan, il ne vous impose pas d'être musulman de quelle secte pour vous donner même le refuge dans son pays. C'est-à-dire, vous devez accepter la résistance s'il va gagner, il doit accepter d'être à part de toutes les idéologies, de toutes les sectes. Monsieur Azizi, autre chose que je veux vous dire. Vous avez entendu que récemment, le Taliban il a annoncé comme quoi ils vont attaquer l'Iran et ils ont mobilisé plusieurs milliers de soldats à la frontière d'Iran. Vous êtes au courant de Exactement. ça? Oui, Parlez-moi un peu de ça. C'est quoi? Alors, ils vont attaquer l'Iran? Taliban a essayé de changer le sujet pour de détourner un peu le sujet. Mais C'est c'est un déjà, il y avait des polémique en conflits. Iran. Ça veut dire que Il y avait des l'Iran. conflits. Il y avait des conflits entre les deux armées Iran et Afghanistan. On n'en parle pas ici, mais moi et vous, nous sommes au courant qu'il y avait des tués. Exactement. Donc, ils ont commencé ça pour changer un peu le sujet. Donc, moi, je pense qu'ils ne peuvent pas déjà attaquer l'Iran parce que ça, c'est, comme je dis, les talibans sont Mais menaces c'est l'Iran pour qui les va pays attaquer. voisins. Pardon, monsieur Azizi. Écoutez, ça va être histoire de Ukraine avec la Russie. Ce n'est pas Ukraine qui l'a attaqué. Pourtant, Ukraine était menacée. Il avait des problèmes avec la Russie. Mais vous avez vu, à la fin, ce n'est pas l'Ukraine qui l'a attaqué la Russie. C'est la Russie qui l'a attaqué l'Ukraine. Et Poutine lui-même, il a dit qu'il était piégé par les Américains. Il a attaqué pourquoi? Il dit pour mettre l'ordre là-bas contre patati, contre patata. Maintenant, jamais. Avec tous les armements qu'ils ont hérités des États-Unis, les Afghans, les Talibans, ils ne vont pas attaquer l'Iran. Ils vont un peu déborder des choses à la frontière, couper l'eau de Hirmad. Mais vous savez qu'est-ce qui va passer? L'Iran dit qu'il voit qu'il a des menaces. Il a deux solutions. Un, il va attaquer directement lui-même. Il va aller jusqu'à Arat et tout ça. Deuxièmement, s'il n'attaque pas, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous dire, Oui. notez bien ça et dites à tous vos amis. Il va financer les mouvements à l'intérieur de l'Afghanistan, comme récemment plusieurs membres de Pakistan ont été arrêtés par les talibans. Il va aller financer plusieurs millions, milliards de dollars à l'intérieur de l'Afghanistan, donner des Kalachnikov et tout ça aux gens, aller combattre les talibans. Et ça va être une guerre civile qui va commencer en Afghanistan.
C'est ça que vous devez le comprendre. Si il y a l'enjeu de Taliban, Pashtun, avec l'autre côté, une autre religion, une autre ethnie et tout ça, s'il n'y a pas de nationalisme, patriotisme et rationalisme de la France, histoire de 7000 ans de civilisation, pas 1400 ans de massacre, vous tombez dans le piège et vous n'êtes pas plus fort que l'Ukraine, ni plus fort que la Russie. Encore cette guerre-là, ça va continuer, mon cher ami, monsieur Azizi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition et ces informations que je viens de vous donner, mon ami? Non, mais c'est, ça, pardon, c'est, vous permettez, excusez-moi une seconde. Puisque nous sommes écoutés par beaucoup de nos amis afghans partout dans le monde, qu'ils soient aux États-Unis, au Canada, en France, même en Afghanistan, en Tadjikistan, puisque nous avons devant nous le tableau d'écoute partout dans le monde, sur radioicimaintenant.com, radioicimaintenant.com ou radioparis.net. Puisque M. Azizi est en train d'écouter, moi je ne parle pas seulement avec vous. Je parle avec le monde afghan qui sont en train de nous écouter, qui sont la plupart des personnalités assez importantes. Même on ne sait jamais, peut-être Ahmad, même, mais je suis sûr, je vois dans la liste qu'il y a même les copains, les conseillers d'Ahmad Massoud qui sont en train de nous écouter en Iran, en Tadjikistan et tout ça. Ça, en même temps, imaginez-vous que, comme vous savez, ce n'est pas adressé personnellement à vous, la question. Même puisque vous êtes un homme de connaissance et vous présidez le mouvement de liberté, je vous demande la réponse et votre analyse, cher monsieur Azizi. Je vous écoute. Moi, vous savez que les Talibans, ils ont plusieurs groupes milices actives dans différentes régions. Vers le Tadjikistan, ils ont pris à peu près 500 personnes en otage. Par exemple, ils ont menacé le Tadjikistan. Si jamais vous aidez la résistance, nous, on peut attaquer avec vous, gens que nous avons. Pareil pour l'Iran, ils font ça. Et aussi pareil pour l'Ouzbékistan et les autres pays voisins. Donc, les talibans sont menaces pour les pays voisins et menaces pour le monde occidental et extérieur. C'est tout? Alors, cette menace, monsieur Azizi, ça ne répond pas puisque le menace à l'Occident, il le sait très très bien. Mais de l'autre côté, il sait bien le contrôler, mon cher ami. Le menace. Comme vous dites ça, de l'autre côté, puisqu'actuellement, même les talibans, ils ont commencé à tuer les gens de l'ancienne police afghane, du gouvernement de Ghani. Vous êtes au courant qu'ils ont massacré plus de 300 policiers afghans qu'ils avaient promis à les talibans. Ils ont promis, ils ont signé un accord quand ils étaient dans le golfe Persique, avant que les Iraniens ils donnent le pouvoir aux talibans, Javad Zarif et Hassan Rouhani, ils se sont engagés de ne pas tuer l'ancien cadre du gouvernement Ghani et ne pas attaquer l'Iran et ne pas attaquer non plus le Pakistan. Mais vous voyez qu'ils ne respectent pas leur parole. Alors quand il y a les massacres des Pashtuns aussi qui étaient membres de police de Ghani, alors déjà, il y a sorti des réfugiés pashtuns aussi de l'ancien gouvernement, de Tadjik, d'Ouzbek, de toutes les couleurs. Après, même l'Occident, il va avoir des problèmes avec des réfugiés afghans. Pour ça, ce que vous dites, avoir peur, c'est autre chose. Mais ce qui existe déjà, parce que c'est vrai, commandant Massoud, 2001, quand il était ici, comme un messager de sagesse, il a bien dit ça. Mais à l'époque, Lionel Jospin, il est vivant. Je le salue, Lionel Jospin. Même Lionel Jospin, il a hésité d'aller visiter, voir ou de recevoir le commandant Massoud. Et il est premier ministre de la France. Et même le jour que Fahim il était assassiné, deux jours après, il y avait une conférence à Golfe Persique. Message de Ahmad Massoud, j'ai transmis à Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur. Mais lui-même, il a dit, je ne peux rien faire, seulement je vais transmettre ce message à Macron, notre président, après notre président. C'est-à-dire, M. Azizi, les autres, ils ne peuvent rien faire pour nous. C'est nous qui devons faire quelque chose pour nous. Alors, pour faire quelque chose pour nous, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit faire quoi? Avant tout, c'est le penser. Avant tout, le penser. Avec le pensée, religion, on ne peut pas aller à la guerre de la
faire face aux barbeaux qui sont prêts à tout faire depuis des années. Ils sont financés bien, et ils ont bien. Vous savez, tous les armements qui ont resté, c'est formidable. C'est pour ça que j'ai dit à Ahmad Massoud, il ne faut pas tomber dans le piège avec quatre Kalachnikov, aller à la rencontre de ces gens-là, parce que le but, c'est de tuer tous les peuples de Khorasan, d'Aria, qui sont en Afghanistan. Après, on garde à la main des Pakistanais et des Talibans. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Il faut être intelligent. Dans le combat, l'intelligence, ça compte très important, mes amis afghans. Monsieur Azizi, je vous écoute. Le soutien des peuples à l'extérieur et à l'intérieur pour la résistance, je pense que c'est le mot qu'on peut dire. À part le soutien pour dégager les talibans et les idéologies extrémistes et islamistes en Afghanistan, je pense que c'est impossible. D'abord, la liberté en Afghanistan et puis la démocratie. Et ça, c'est ça que nous, on souhaitait, comme les gens, comme vous avez dit, penser pour la liberté et la laïcité à l'avenir. Alors, Monsieur Aziz, dans votre mouvement de liberté, quelles sont les branches que vous avez? Vous avez parlé de poésie, et de temps en temps, je sais que vous faites Shab e Shaer, Sheikh Khani, mais d'autres, ça, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des cours d'histoire? Est-ce que vous missionnez vos amis de faire des recherches sur l'histoire de votre pays, après le transmettre dans vos réunions, qui est très riche? Moi, j'ai participé, vous m'avez invité, je vous remercie beaucoup. C'est-à-dire, vous faites quoi pour élargir le champ de pensée rationnelle de vos amis qui sont très fidèles à leur pays, Afghanistan, et commandant Massoud, et à leur culture millénaire d'Ari Khorasani? Exactement. Donc, vous avez, c'est un bon moment de dire ça, que nous avons une branche qui s'appelle Khurshid. Dans le soleil. Branche Khurshid, nous sommes en train de faire de collecter certains articles et d'envoyer aux étudiants qui nous sommes en contact, ou l'école quand nous sommes en contact à l'intérieur de Khorasan ou Afghanistan. Donc, le branche Khurshid, ils sont en train de préparer les vidéos en expliquant quel est le rationalisme, quelle est la situation à l'extérieur, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir, pour préparer le pensée du peuple. Donc, notre branche, à part de soirées de poésie, soirées culturelles, intégration à l'extérieur, nous avons une grande branche qui sont en train de faire des vidéos, faire des livres, faire des articles pour envoyer en Afghanistan. Bravo. Alors, Khurshid, ça veut dire soleil, c'est-à-dire vous avez bien commencé. C'est le sigle éternel de l'Afghanistan, soleil, puisque l'ancienne pensée de l'Afghanistan, c'était Mitra. Et Mitra, ça veut dire mer. Mer, ça veut dire Khurshid. Khurshid, ça veut dire soleil. Alors, toute l'énergie vient de soleil pour tout le monde, dans le monde entier. Vous avez bien choisi, là. Je crois que c'est ce titre. Si Massoud était là, c'est lui-même qui allait choisir ça. Surtout, vous savez, une fois, je me rappelle, j'avais demandé que Massoud dédicace une photo qu'il m'envoie. Vous savez, la photo qu'il m'avait envoyée, c'était comment? Oui, c'était un soleil. Le soleil était derrière lui, dans le Panchir. Il y avait les montagnes, il était un peu plus bas. Soleil, très joli, formidable, très très joli. Il fallait que je trouve cette photo-là, ça fait déjà 30, 35 ans qu'il m'avait envoyé ça. Soleil, voilà, était dans le cœur de tous vos amis, tout le peuple afghan depuis des années. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que, parce que ça, c'est une question que je vous pose, posée par un de vos amis. D'accord? Un de vos amis très proche dans le mouvement de la liberté, il a dit que moi, je n'ose pas de parler et de poser des questions comme ça, quand, même en privé, avec mes amis comme Azizi ou comme les autres. Toi, tu le poses aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Hein? Moi, je ne vais pas tout poser parce que je ne veux pas entrer dans vos, vos divergences d'idées. Je ne veux pas y entrer. Mais puisqu'on est parlé de Khurshid, et surtout de ce qu'on est de faire, je vais vous dire. Il a dit, chaque fois qu'on va parler sur notre histoire avant l'islam, l'histoire de l'Afghanistan avant l'islam, et chaque fois qu'on va critiquer, même un tout petite critique sur l'islam politique, on est censuré
Voilà. Est-ce que c'est vrai ça ou non? Comment? J'ai pas entendu la dernière phrase, pardon. Non, votre ami, il dit qu'on est censuré quand on veut défendre notre histoire avant l'islam et quand on veut critiquer l'islam politique. Voilà. Mais je sais que vous êtes très ouvert avec nos amis, ils me racontent, mes amis aussi. Donc, vous savez que le mot Khorasan aussi, déjà, vient, ça veut dire que le pays de Khurshid, le pays de Rochid, Soleil. mais non, Donc, est-ce qu'ils ont raison, ils sont censurés de parler, de critiquer l'islam politique, ils sont censurés de parler de votre histoire avant l'islam ou non? Parce que, justement, merci beaucoup. Sur WhatsApp, je viens de recevoir encore trois messages similaires, monsieur Azizi, de vos amis à vous. D'accord. Voilà. Non, 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 ce n'est aujourd'hui, pas vous n'êtes pas dans un une question tribunal, mais politique. vous êtes sur l'antenne de la radio ici maintenant. En plus, ce n'est pas vous, vous pouvez nous dire toute la vérité. Vérité, s'il y a quelqu'un d'autre qui nous impose de faire ça, vous dites d'abord. Antenne de la vérité. Voilà. Je vous écoute, monsieur Donc, Aziz. non, 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 ce n'est pas une question sensible entre nous ou moi, parce que les gens qui sont avec nous dans le mouvement de la liberté, maintenant, ils ont ouvert à deux, trois branches en Allemagne et un autre pays. Donc, chaque semaine, ils ont des événements entre eux pour parler sur différents sujets, différents thèmes On ne parle pas qu'ils de critiquent en Monsieur fait. Azizi, Monsieur Azizi, Monsieur Azizi. On ne parle pas des gens qui vous ont quitté, qui ont fait un autre mouvement, un autre branche, tout ça. Ça, je suis au courant. Même pas, je voulais pas évoquer ça sous l'antenne. Vous, c'est vous-même que vous avez évoqué. Alors, ces gens-là, exactement, c'est pour ça qu'ils vous ont quitté. Moi, je veux que vous revenez vers la laïcité, rationalisme, que les amis des savants, des philosophes qui sont à côté de vous ne vous quittent pas. Parce que je te connais, tu es un type formidable, je t'aime bien, Azizi, hein. Et je veux pas que tes amis, qui sont de force de penser, ils vous quittent. Vous-même, vous avez dit, d'accord, pas de problème. Mais ce que je viens de vous dire, je vais pas citer les noms. Ce sont des gens qui actuellement, ils sont avec vous. C'est-à-dire, ils sont actuellement avec vous, mais ils n'osent pas de vous dire ça, puisqu'ils disent, il y a une, voilà, je ne sais pas quoi. Je parle de votre mouvement actuel, ici, maintenant. Vous êtes combien environ? Vous avez combien d'adhérents environ? Adhérents à qui vous en êtes plus de centaines de personnes. Voilà, moi je sais que même vous dépassez les 200 personnes. Voilà, en un Oui, certain. on parle des adhérents actifs et après on a des fins Voilà, d'investissement. voilà. N'oubliez pas, quand les gens ne peuvent pas payer leur cotisation, mais ils sont adhérents par le pensée avec vous. Vous devez les Exactement. garder. C'est pour ça que vous devez mettre 1 € symbolique adhésion. Après, même vous pouvez trouver des gens qui vont vous payer 10, 50 euros pour 50 personnes qui n'ont pas l'argent, parce que je sais certains amis des réfugiés, ils sont dans une situation très critique économique et ils ne peuvent pas payer des adhésions. Mais c'est ça. Oh, non, vous avez plus de 100. Mais voilà. Parmi ces gens-là, je vais vous dire, monsieur Azizi, je t'assure, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme vous. Est-ce que vous connaissez Mojgane? Moi, je comment son nom de famille, la Madame chanteuse. Baba? La chanteuse. Mojgan, c'est celle qui est à Canada? Non, il y en a une chanteuse célèbre afghane. Mojgan, ça me dit quelque chose parce qu'il y a un autre Mojgan ici en France. Et comment il s'appelle celle qui l'a en avant? Il y a un autre Mojgan, je pense qu'il est Tarabzadeh. Alors, tu sais, Mojgan, c'est qui ce que je veux vous dire? Tu sais que je suis très franc, Azizi. Moi, j'ai lancé depuis 40 ans l'idée que c'est les femmes qui doivent nous diriger. Dans nos agendas de l'année 7000, quand je publie depuis 40 ans, en bas de chaque page, à part de mes articles, à part de mes livres, à part de mes émissions radio-télévisées, je précisais, les femmes, n'importe quoi qu'on fait, on doit consulter avec eux. Les femmes, c'est notre chef. Les femmes, c'est notre libérateur. Et vous pouvez constater qu'après 40 ans, grâce à Dieu, nous avons réussi. C'est les femmes qui vont libérer l'Iran avec le courage qu'ils ont. Maintenant, quand j'ai dit, vous connaissez Mojgan, Morgan, il a prononcé le nom de famille de Mojgan. Et moi, j'ai dit,
Une fois que vous allez voir les films de cette émission, vous allez voir que je dis à Morgan, ne dis pas le nom de famille de Morgan. Je veux voir si Azizi le connaît ou non, parce que ici nous sommes dans l'histoire actuellement. C'est une émission qui va rester dans l'histoire. Je suis désolé, mon ami Azizi, toi tu connais pas Morgan et Azimi. Par contre, Morgan et Azimi actuellement, ils le connaissent partout dans le monde. Même Macron, il le connaît. Même le plus grand personnalité, même Premier ministre de Canada, il le connaît. Même plusieurs gens qui vous ont soutenu dans votre combat, il connaît la rebelle, la révolutionnaire fille afghane née à Mashhad, en Iran, Mojgane Azimi, Mojgane Oui, les grandes Arianî. chanteuses, oui. On le connaît. Et toi-même, tu ne le connais pas? Alors, tes amis, ils ont raison de dire que vous devez ouvrir les fenêtres de la liberté, de la rationalisme, dans votre mouvement. Dans votre mouvement. Puisque comment ça se fait que Mojgan Azizi, qui est là, même âge que vous, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Hein? Oui. Hier, c'était l'anniversaire de Mojgan Azizi. Il va avoir 31 ans. Même âge que ma fille Morgane. Alors, cette fille, avec la parole, il est votre chef. Vous devez vous mettre sous l'ordre de Mojgan Azimi à partir de maintenant, ici et maintenant, si vous voulez continuer votre combat. Sinon, vous allez crier dans le vide. Alors, Morgan, est-ce qu'on peut écouter Mojgan, s'il te plaît? Monsieur Azizi, vous écoutez cette chanson. Après, on revient continuer ensemble. Mes amis, c'est une chanson qui il est sortie il y a déjà quelques jours de Mojgan Azimi. Elle est afghane. Elle était réfugiée avec ses parents en Iran. Et elle est née à Mashhad il y a déjà 30 ans. Il a eu des problèmes encore. Elle est sortie avec sa famille. Elle était en Allemagne, réfugiée politique. Après, elle est allée en Suisse. Et maintenant, elle, c'est une super star de la chanson afghane, Iran et du monde. Elle a donné des concerts inoubliables. Vous tapez seulement Mojgan Azimi sur l'Internet, mes amis, français, afghan, iranien. Vous pouvez découvrir cette femme. Que cette femme, à partir d'aujourd'hui, elle va être même leader, patron de Monsieur Azizi, qui est responsable du mouvement de liberté d'Afghanistan. Monsieur Azizi, on va l'écouter. Morgan, on va l'écouter. On va écouter. Quand elle commence, elle lui dit: Maman, maman, on vient de me tuer, maman. Je suis en train de monter au ciel. Maman, s'il te plaît, maman, je veux monter au ciel. Dis-moi que le Dieu existe. Dis-moi le Dieu qui existe, puisque je vais aller le voir. Je vais aller le dire. Maman, kushtan manu unha faqat tori mirim bala. دعا کن که خدا باش باش حرفا دارم حالا مامان نیستی نمی بینی پر از دختر شده راها همه هم سن نیکاها همه هم سن اسراها من از با تو نترسیدم فقط ترس من از اینه که بعد مرگ ببینم که خداشونم دروغینه همه چی رو بهش میگم دعا کن که خدا باشه اگر که معرفت داره باید خون خواه مساشه Maman, toi, tu n'es pas ici pour voir. Ici, il y a plein de filles assassinées, des filles tuées. Nous sommes tous jeunes et les autres, tous sont des vieillards. Maman,
Moi, j'ai pas eu peur. Quand on m'a torturé, quand on m'a massacré, quand on m'a coupé. تو زنها جووناشون فقط ما ایم و دخترهای افغانها چه دخترهای نازی و زدن داغونشون کردن هزاران دختر افغان و سنگ بارونشون کردن بهش میگم نبودی تا بذارم سر تو آغوشت همونها که منو کشتن نماز خوندم در گوشت چیا گفتن که یادت رفت منو وقتی که جون دادم خدا باید بدون من واسه آزادی خوندادم مامان جون عشقاتو پا کن یه کرد که عشق نمیریزه خودت گفتی که ما کوهیم و کوه هرگز نمیریزه مامان جون عشقاتو پا کن ببین که یک جهان پاشو نمیبینی با مرگ من حقیقت ها و بیدا شد من از با تو نترسیدم فقط ترس من از اینه که بعد مرگ ببینم که خداشونم دروغینه همه چی رو بهش میگم دعا کن که خدا باشه اگر که معرفت داره باید چقدر دلتنگت هم مادر چقدر تو فکر چشماتم میدونم عاشقم بودی بدون من خاک پاهاتم مامان ایران دلم تنگ برای عطر آغوشت فقط یک قول ازت میخوام نشه یادم فراموشت Oui, c'est Mojgan Azimi. Hier, c'était son anniversaire. Il avait 31 ans. Une fille afghane, née en Iran. Les paroles sont de Farshid Shahram. Merci, Farshid Shahram. Farshid décrit toujours de l'histoire dans cette poésie. Et Human, c'est arrangeur. Et c'est très intéressant, cette. Manifeste de Mojgan Azimi, il dit « Maman, on vient de nous tuer, nous sommes très très nombreux, tous ces mamans qui nous ont tués, maman, le mollah, l'ayatollah, le taliban qui a chanté la prière au moment que je suis né, c'est lui qui m'a tué. Maman, maman, j'ai pas eu peur quand on m'a frappé, quand on m'a torturé, mais j'ai peur maman. Maintenant que je suis mort, je suis là, dans le fil d'attente, avec plusieurs milliers de filles afghanes, que je vois tout à l'heure que le Dieu n'existe pas. Puisque si le Dieu existait, je vais leur demander de se venger contre les gens qui ont tué Mahsa Amini, contre les gens qui sont en train de nous tuer tous les jours. Maman, maman ne pleure pas, maman. Maman ne pleure pas. Debout, maman! Regarde! Le monde entier nous soutient, maman! 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 Prie, fais des prières, maman. Fais des prières. Que si tout à l'heure je veux dépasser cette frontière, je vois que le Dieu existe. Je ne veux pas
voir que même pas leur Dieu, c'était des mensonges qui n'existaient pas. Ça, c'était dernière chanson de Mojgan et Azimi, une fille de 30 ans, 31 ans, d'Afghanistan. 2500 philosophes, 15 000 bouquins ne peuvent pas nous donner des explications et de savoir et de conscience ce qu'elle nous donne dans cette chanson. Monsieur Azizi, vous êtes là dernièrement, on n'a que 5 minutes à vous consacrer et pendant 5 minutes, c'est vous qui vous allez parler, mon ami. Je vous écoute, monsieur Azizi. Merci. Comme vous avez évoqué, donc, bien sûr, les femmes sont la future directrice. Pas la future, non, pas la future, ici et maintenant. À partir de maintenant, vous devez diffuser ça parmi vos amis. À partir de maintenant, Mahsa Amini qui est morte, mais Mojgan et tout ça. À partir de maintenant, il ne faut pas donner l'adresse de Paul de Man, monsieur Azizi. Je vous écoute. D'accord. Merci. Donc, pour la dernière minute, je veux encore répéter les deux événements que nous avons organisés à Paris. Donc, vous êtes toujours bienvenus, monsieur Abbasi. Vous êtes ancien ami de Khorasan, Afghanistan et aussi de commandant. Donc, nous avons l'honneur de votre présence toujours. Donc, pour les auteurs, je veux dire que 9 et 10 septembre à Paris, nous avons organisé 9 septembre à la mairie du 16e arrondissement et 10 septembre à l'allée de commandant Massoud à 13h jusqu'à 17h. Donc, 9 septembre, c'est à quelle heure à la mairie? À la mairie à 19h de 19h à 23h. Alors, mairie, c'est mairie de 16e, notre mairie à nous. Nous sommes avenue Foch et mairie, c'est notre mairie. Monsieur le maire qui est très gentil, un défendeur de votre cause depuis des années, maire de 16e. Oui, je vous écoute. Exactement. Donc, après, à Hambourg aussi, on a organisé cet événement intitulé Massoud, la résistance contre la menace mondiale des talibans. C'est 17 septembre. Donc l'adresse est toujours. Je vais vous envoyer la fiche, comme ça vous pouvez aussi diffuser sur votre site internet pour Hambourg et aussi Munich le 22 septembre. Nous avons même événement organisé là-bas avec nos collègues. Monsieur Azizi, je vous remercie, mais si vous permettez, je viens de recevoir des messages de vos amis. Il y en a un, je ne vais pas vous lire le nom, je ne vais pas vous le donner. Il y en a un qui dit il est membre de votre mouvement de liberté depuis des années. Il dit, est-ce que Monsieur Azizi, il peut nous promettre de diffuser la même chanson à la mairie de 16e le 9 septembre où il va avoir peur des islamistes? Pas du tout. Vous serez témoin qu'on va publier là-bas devant vous. Voilà, je crois que d'autres questions que vous avez posées à moi, c'est pas la peine de lire pour monsieur Azizi. Azizi, il a promis de nous diffuser la même chanson que vous venez d'entendre à la mairie de 16e et c'est ma proposition à moi. Je vous prie de préparer monsieur Azizi, la traduction en français par un autre fille afghane qui en même temps, avant, après, au moment que vous êtes en train de diffuser ça pour Massoud, je vous assure, je vais pleurer quand je suis en train de parler de Massoud. Alors, le 9 septembre, à la mairie de 16e, quand vous diffusez la chanson de Mojgan et Ariyahi, Mojgan et Azimi, elle s'appelait avant Aisha, elle a changé de nom, elle s'appelle Mojgan et Azimi, Mojgan et Ariyahi, vous citez également en français la traduction de cette chanson avant et après, et au moment de qu'elle est en train de chanter, monsieur Azizi. Avec grand plaisir. Vous pouvez m'envoyer, je pense que vous avez traduit déjà très très bon. Donc vous pouvez m'envoyer la traduction, comme ça j'essaie de souligner aussi. Merci. La traduction, je ne veux pas vous l'envoyer puisque je n'ai pas traduit par écrit. En même temps que j'étais en train d'écouter, je traduis. Pour ça, mettez-vous en du temps, parce que vous êtes même vous, alors, professeur. Alors, excusez-moi, il y a la traduction déjà sur le clip dans YouTube en anglais. En français. Voilà, en anglais. Autre chose, M. Azizi, puisque je vous aime bien, je veux vous apprendre d'autres choses concernant votre travail.
Vous savez qu'il y a un logiciel, vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Après, à partir de ce logiciel, une fois que vous l'avez sur votre portable, n'importe quelle chanson, vous pouvez le demander, automatiquement, il va vous traduire en persan, en afghan, en français, et il va écrire sous-titré. D'accord? D'accord. Mais il faut vérifier parce que de temps en temps, il y a certainement qu'il ne va pas le comprendre. Mais vous êtes Oui. professeur vous-même. Moi, je vous tutoie puisque vous êtes un ami. Vous aussi, vous pouvez me tutoyer. Mais n'oubliez pas, mes amis, Monsieur Azizi, c'est un savant lui-même. Et c'est un professeur. Azizi, c'est quelqu'un qui travaille jour et nuit pour son pays et que je l'admire, que je l'aime bien, Azizi. Et il est modeste, mais certains de temps, quand vous voyez qu'il est un peu réservé sur certaines questions, pourquoi? Puisqu'il est président de ce mouvement, mais il a des obligations. Alors à partir de maintenant, Azizi, je vais te dire, tes obligations, c'est Mojgane Azimi. C'est Merci. Farshide Shahram, c'est Human, c'est Golazin. Golazin, c'est iranien, mais encore tu vois, il chante pour les filles iraniennes en même temps. Moi, je connais Azizi, le monde entier, c'est unique. Pour ça, aucun engagement, aucune consigne que vos amis vous donner, qui ne sont pas à Paris ou qui sont à Paris, les barbous qu'ils vont vous donner. Ce que je viens de te dire, Azizi, pour que tu sois sûr et certain. Je n'ai jamais disputé avec Ahmad Shah Massoud, mais je vais te dire une chose. J'ai disputé avec Burhanuddin Rabbani. Ses enfants sont ici, ses enfants, sa fille est là, il va nous entendre sans aucun doute et tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Burhanuddin Rabbani, moi je le critiquais, et maintenant aussi je le critique, puisque c'était un ayatollah. Aujourd'hui, l'époque de Burhanuddin Rabbani, c'est terminé, Azizi. Même si c'est ton père, je sais que ce n'est pas ton père, hein, je vais te dire, je dis à sa fille, je veux dire même à sa fille, que l'époque, c'est terminé. L'époque, c'est la parole de Mojgan à Azizi qui dit, Maman, je suis là ici, mais tu dois savoir que tout était des mensonges. C'est quoi? Il est en train de parler avec Burhanuddin Rabbani. Il a gardé la barbe, il a gardé le turban sur sa tête, il a gardé la défense d'une partie du peuple afghan, d'une secte religieuse parmi les autres sectes que l'Afghanistan aujourd'hui est là. Vous devez devenir le commandant, contre commandant Massoud, et ses filles, la fille du commandant Massoud aujourd'hui, c'est Mojgan Azimi. À partir de maintenant, si vous avez changé vos attitudes, si même j'invite la fille de Ostad Burhanuddin Rabbani, que je l'aimais beaucoup, hein. Burhanuddin Rabbani, il y a déjà 47 ans, à Machad, était mon invité. J'ai dépensé pour lui. Et je l'ai beaucoup aidé. Tous les Jamiat islamiques, il sait comment je vous ai aimé depuis des années. Et je vous ai aidé. Mais votre époque s'est terminée. Il n'y a plus Jamiat islamiques. Il y a Jamiat afghan, Afghanistan, Arya, Khorasan. Et votre chef, c'est Mojgan Azimi, c'est la parole de Shahram Nazanin, Farzad Shahram. Il haste que va estir be dast begirid Nazanin. Encore dernièrement, mon cher monsieur Azizi, avant de dire au revoir. Je vous écoute. Merci infiniment. Non, de toute façon, on a parlé beaucoup, Monsieur Abbasi. Vous avez raison. Donc, on va parler aussi le 9 septembre. Vous êtes bienvenu et vous êtes aussi, vous prenez de parole. Vous êtes librement de dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de observation, il n'y a pas de limite. Vous étiez toujours ami de Commandant Massoud. Vous êtes dans notre corps et on vous aime beaucoup parce que à chaque fois que vous me voyez. Et vous recitez les paroles de Ahmad Shah Massoud et disons que voilà, Massoud est bas pour ça et vous aussi vous devez faire ça. Merci infiniment de vous, Monsieur Abbasi de Morgan. Donc, merci à votre auditeur et auditrice. Donc, à bientôt, Monsieur Abbasi. Merci. Je te dis quelque chose avant de partir. Thomas Hout, dans ces derniers mots qu'il m'a envoyés, il m'a dit, Avesta, écoute bien. Écoute bien. Il m'a dit, l'enfant qui va naître demain, si je ne le vois pas, tu le dis que l'Afghanistan, c'est une patrie.
C'était le dernier mot que j'ai reçu de Massoud. Et je te dis autre chose avant de partir. Quand il est venu ici, j'ai beaucoup investi. Parmi, toi tu le sais, Maston, il sait, tout le monde il sait. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour lui comme cadeau? Parce que je savais qu'il, lui, il écoutait beaucoup Leïla Fourouhar. Tu connais Leïla Fourouhar quand même? Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je savais qu'il écoutait Leïla Fourouhar, mais je ne savais pas qu'il écoutait avec un écouteur. Moi, je savais qu'il écoutait Leïla Fourouhar, comme tous les Tadjiks, il aimait beaucoup Leïla Fourouhar. J'ai invité Leïla Fourouhar de Los Angeles le jour que le commandant Massoud était à Paris, quand il était à l'hôtel Méridien en train de donner son discours. Moi, je suis entré là-bas avec Leïla Fourouhar. On est entré directement dans la salle. Ça, c'est dernière leçon pour toi, Azizi, écoute. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque même avant, Massoud était au courant lui-même. Je ne parle pas de son frère, des autres, tout ça, qui était l'ambassadeur de. Il était présent ici. Massoud lui-même, quand je l'ai informé que Leïla, il va venir te voir à l'hôtel, il était très content. Et il a dit, je veux me préparer alors. Et même, il a rigolé. Il a dit, alors, bah, Yastiman, mais quand on était à l'hôtel Méridien, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ou non, Azizi? Non, je ne sais pas. Ah, mais tout le monde, tous tes maîtres, ils connaissent. Tout. Tout le monde le sait. Quand on est entré là-bas, on est entré dans la salle. Mais quand je suis entré dans la salle avec la chanteuse très célèbre iranienne, Leïla Fourouhar, la salle s'est perturbée et tout d'un coup, toutes les têtes étaient tournées vers nous et Massoud il était en train de parler et moi je vous, ça c'est une méprise envers mon ami Massoud, tout de suite j'ai pris la main de Leïla et on a quitté la salle. Puisque je voulais que les gens écoutent Massoud. On a quitté la salle, Hôtel Méridien, à Montparnasse. Et on se met dans le salon, et il y a son frère et beaucoup d'autres personnes qui sont venues nous voir, remercier, patati, patata, patata. Et à la fin, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Une personne m'a dit, Monsieur Avesta, David, je suis désolé de t'informer qu'on ne laisse pas le conseiller de Massoud de venir voir Leïla Fourouhar. Tu présentes toutes nos excuses. Je dis, pourquoi? Elle a dit, tu sais, tu vois, est-ce que vous avez compris, Azizi, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est-à-dire, pas moi, je gagne Azizi. Leïla Fourouhar, il y a déjà 22 ans, les islamistes n'ont pas autorisé que Massoud, il vienne le voir. C'était les islamistes qui l'ont tué. Parce que s'il avait une sécurité assez importante, il n'aurait pas été tué. S'il avait des amis, jusqu'à aujourd'hui, on aurait vengé. Non! Ramener au tribunal les assassins. On a abandonné tout. Ils ont pris les valises de dollars. Pour ce que je te demande, Azizi, je demande à tous mes amis qui nous écoutent aujourd'hui, abandonnez l'ancienne pensée qui vous a tué, qui est en train de vous tuer. Écoutez Mojgane Azimi et ses paroles. Merci, Azizi. Encore dernier Merci mot? à vous aussi. C'est À, bon? non, à, bien, on va, à bientôt. Je suis pressé. Désolé. Merci, je t'embrasse, Azizi. Au revoir. À vous aussi. Au Au revoir. revoir. Voilà, mes chers amis, c'était Monsieur Azizi. On a parlé sans censure. Voilà. Comme vous savez, ici et maintenant, c'est Radio sans censure. Comme vous, les philosophes, nos amis, vous êtes toujours avec nous, avec Morgane. Alors, vous savez pas, Morgane, elle est toujours contente quand elle voit les interventions très intelligentes. On est fier de vous. C'est pour ça que, après mon ami Didier, nous avons décidé de tout dépenser, d'emprunter l'argent, de faire tout pour que cette radio existe, que le souvenir de Didier Doplech reste éternel. Je suis très très content pour que Didier, il est toujours présent. Ce n'est pas seulement à Paris, ce n'est pas encore sur les zones parisiennes françaises, dans le monde entier. Comme je peux constater le sondage de nos écoutes actuelles, je vois que les gens ils sont en train de nous écouter. Radio ici maintenant.com ou Radio Paris.net partout dans le monde. Iran, Afghanistan, Tadjikistan, Turquie. Turquie, on a plein de gens en Turquie. On a plein de gens en Turquie. Et aux États-Unis, au Canada, beaucoup d'écoute. Je vous remercie toutes et tous. La radio ici et maintenant est à votre service et au service de toutes les messages de la
occupez de toutes les nationalités, de toutes les parties du monde. Vous êtes là, ici, le bienvenu, qu'il soit d'Ukraine, du Liban, et d'Amérique latine. Si vous avez des messages, des paroles, avec grand plaisir, s'il y a des choses qui se passent dans votre pays, que nous sommes ignorants, nous sommes là pour vous donner la parole. Allez.